Allez, c'est parti, salut tout le monde, c'est Twitch, j'espère que toi derrière ton écran ça va nickel. Moi ça va tranquille aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne de l'Upcyclant. En effet, c'est moi qui suis chargé de vous concocter le petit menu d'aujourd'hui. Avant de rentrer dans le sujet, je vais donc vous planter le décor. C'est donc une nucléaire à la MUTA7, encore un 44GS de la part de Dargigi. N'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires, ça lui fera extrêmement plaisir. J'en viens donc à mon petit sujet. Nous savons tous que cette année, il y aura donc deux Call of Duty tels que Infinite Warfare et Code 4 remasterisés. Et j'aimerais savoir si vous, la communauté, vous préférez donc les gameplay performance sur les Call of Duty old school ou bien encore sur les nouveaux Call of Duty tels que Black Ops 3 ou bien Advanced Warfare. Je vais donc vous donner mon avis. Déjà pour commencer, sur tous les nouveaux Call of Duty, il y a donc la nucléaire ou bien encore une bombe nucléaire. Sur Code 4 remasterisé, je pense donc que la performance risque d'être compliquée car il n'y a pas de nucléaire ou bien encore de bombe nucléaire. A moins de tenter des plus de 100 kills, je ne vois pas d'autre issue pour faire de la performance sur ce Code 4 remasterisé. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je préfère la performance sur les nouveaux Call of Duty, je trouve ça plus agréable à regarder. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi comme d'habitude, j'ai pris extrêmement plaisir à vous la commenter. Sur ce les gars, c'était juste, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Sur ce les gars, bye et à la prochaine.